Présidée ce mercredi 9 octobre 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République s'est réjoui de la bonne tenue de la 5e édition de la journée citoyenne Setal Sounoureo dédiée à l'école. Il a particulièrement félicité les populations du département d'Ombour, les autorités administratives, les élus locaux et la communauté éducative pour l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet et salué la mobilisation exceptionnelle notée lors de cette journée, dont le point d'orgue fut le lycée d'Ambadjoub. Il a également félicité le ministre de l'Éducation nationale, les responsables de l'académie, le proviseur du lycée, le corps enseignant et les élèves de cet établissement scolaire de référence. Et pour clore ce chapitre, il a relevé l'engagement permanent du gouvernement à améliorer durablement le cadre de vie dans nos écoles, collèges et lycées en vue de contribuer aux conditions de réussite des élèves. S'interrogeant sur l'efficacité du dispositif public de solidarité nationale, le chef de l'État a indiqué au gouvernement l'urgence de refonder la politique de solidarité nationale et de protection sociale par un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité d'actualiser et d'élargir à de nouveaux bénéficiaires les programmes des bourses de sécurité familiale, de cartes d'égalité des chances, de couverture sanitaire universelle et de transferts sociaux en général. Ce qui devra assurer à court terme une convergence des objectifs et une optimisation soutenue des ressources globalement destinées à la protection sociale. Le chef de l'État a par ailleurs demandé au ministre du Travail de veiller à l'évaluation prospective des politiques et programmes sectoriels de protection sociale conformément aux normes internationales. À ce titre, il a rappelé l'importance de l'actualisation régulière du registre national unique RNU, de la revue de l'application de la loi d'orientation sociale numéro 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, ainsi que la finalisation prochaine du code unique de sécurité sociale devant faciliter la mutualisation des activités de la Caisse de sécurité sociale et de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. À ce sujet, il a souligné la nécessité pour le gouvernement d'engager une réflexion stratégique sur la gestion des retraites au Sénégal. Abordant la question de la nouvelle politique de gestion et d'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur, le chef de l'État a indiqué que leur situation quotidienne doit rester une préoccupation majeure du gouvernement à travers notamment une mobilisation plus soutenue de nos missions diplomatiques et consulaires. Il a demandé au gouvernement de veiller à l'accélération des procédures pour l'obtention des documents administratifs de base, les passeports et les cartes nationales d'identité en particulier. Il a également exhorté le gouvernement à faire le suivi de la situation des étudiants sénégalais à l'étranger, le recensement systématique des compétences nationales vivant et servant à l'extérieur du Sénégal. Il a indiqué en outre la nécessité de mettre en place un nouveau dispositif d'assistance au retour et à la réinstallation des Sénégalais de l'extérieur. Évoquant l'importance stratégique de l'élevage dans notre politique de souveraineté alimentaire, le président de la République a demandé au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage et au secrétaire d'État en charge des organisations paysannes de finaliser avec les acteurs des filières l'évaluation consensuelle des programmes, des projets et conventions de concession en matière d'élevage et de production animale. Il a souligné la nécessité, comme indiqué dans le projet, d'assurer à moyen terme la couverture des besoins du Sénégal en produits d'élevage et de limiter à terme les importations qui pèsent lourdement sur la balance commerciale de notre pays. Dans sa communication, le Premier ministre a rappelé la haute priorité accordée à Monsieur le Président de la République à l'évaluation périodique de l'action gouvernementale. À cet égard, il a demandé au ministre d'élaborer l'état de mise en œuvre
à fin septembre 2024 des plans d'action prioritaires de leurs départements ministériels respectifs. L'accent devra être mis sur la différenciation imprimée à l'approche gouvernementale des politiques publiques comparativement aux précédentes. Il conviendra dans ce cadre de présenter de manière factuelle et documentée les résultats satisfaisants obtenus en si peu de temps dans différents domaines. Dans ce sillage, le Premier ministre a demandé au ministre secrétaire d'État de veiller à l'exécution satisfaisante du programme de travail du quatrième trimestre 2024 de leurs départements ministériels respectifs. Il s'agira d'assurer la prise en charge dans les délais requis des questions cruciales récurrentes, notamment la campagne de commercialisation agricole, la surveillance des engagements contractuels à échéance de fin d'année, ainsi que le suivi rapproché des programmes et projets. De manière plus spécifique, une attention particulière devra être accordée à la célébration du 80e anniversaire du massacre de Tiaroy 44, ainsi qu'à la finalisation de certains travaux d'audit et du chantier du port de Saint-Doux. Il en est de même du contrôle du respect scrupuleux de l'interdiction de l'exploitation aurifère de long de la Falémée, de la poursuite de l'accompagnement du retour des déplacés de Casamance, du suivi de l'application des mesures de baisse des prix et des denrées de consommation courante, ainsi que l'organisation de la prochaine Biennale des Arts de Dakar. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une communication sur la situation hebdomadaire de la gestion des inondations. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant application de certaines dispositions de la loi numéro 2023-15 du 2 août 2023 portant code de l'environnement. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Madame Seynebou Gueye, administrateur civil, matricule de solde numéro 608-876G, est nommée inspecteur de l'administration centrale et territoriale du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en remplacement de Madame Ramatoulaye Dien, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Sekou Viodja, inspecteur matricule de solde numéro 630-591F, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Taïf, département de Maké, est nommé adjoint au préfet du département de Guédiaouaï, poste vacant. Monsieur Abdoukhadr Diallo, inspecteur matricule de solde numéro 675-797A, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Tillé Boubacar, département de Podor, est nommé adjoint au préfet du département de Malemodar, poste vacant. Monsieur Anabi Moussa Touré, inspecteur matricule de solde numéro 612-954A, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Loudia Wolof, département d'Oussouy, est nommé adjoint au préfet du département de Bonkiline, poste vacant. Monsieur Ngour Pouille, instituteur matricule de solde numéro 517-772I, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ndorna, département de Medina Yorofoula, est nommé adjoint au préfet du département de Bakel, poste vacant. Monsieur Ousmane Sané, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 519-212J, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Simbani Brassou, département de Goudompe, et nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sagata Djolof, département de Linguère, poste vacant. Monsieur Jean-Paul Sylvain Diata, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 661-427H, précédemment adjoint au préfet du département de Bakel, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Simbani Brassou, département de Goudompe, en remplacement de Monsieur Ousmane Sané, appelé à d'autres fonctions.
Monsieur Ibrahim Ndiaye, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 517-694J, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale et nommé sous-préfet de l'arrondissement de Wadjour, département de Gossas, en remplacement de Monsieur Ibrahim Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Au titre du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Monsieur Mamadou Gueye, général de division 2S, titulaire d'un master en sciences militaires, est nommé délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam en remplacement de Monsieur Boubacar Sarr. Monsieur Hassan Diaye, précédemment premier conseiller à l'ambassade du Sénégal à Riyad et à la représentation permanente du Sénégal auprès de l'Organisation de la Conférence islamique, est nommé premier délégué général adjoint au pèlerinage au lieu saint de l'islam en remplacement de Monsieur Khadim Silla. Monsieur Mohamed Mansour Ndiaye, titulaire d'un master 2 en traduction et interprétation de conférences, est nommé délégué général adjoint au pèlerinage au lieu saint de l'islam en remplacement de Monsieur Ousmane Douye. Au titre du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Habibou Dia, titulaire d'un master 2 en journalisme et communication, est nommé directeur de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique en remplacement de Monsieur Ousseynou Dia. Monsieur Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, ingénieur en informatique et industriel, est nommé président du comité directeur du Fonds de développement du service universel FD Sud en remplacement de Monsieur Ali Koto Ndiaye. Monsieur Mamadou Lamine Sen, ingénieur en électronique et technologie numérique, est nommé membre du comité directeur du Fonds de développement du service universel FD Sud en remplacement de Monsieur Cherbaké. Madame Ndaïsseïne Boussi, titulaire d'un Master 2 en Business et Corporate Law, est nommée membre du comité directeur du Fonds de développement du service universel FD Sud en remplacement de Madame Sophie Ndiaye. Madame Sira Nyansi, titulaire d'un Master 2 en Management et Négociation, est nommée membre du comité directeur du Fonds de développement du service universel en remplacement de Monsieur Abdoulaye Ngom. Monsieur Souleymane Ndiaye, titulaire d'un Master 2 en informatique et réseau, est nommé membre du comité directeur du Fonds de développement du service universel FD Sud en remplacement de Monsieur Mamadou Yaya Ba. Monsieur Amadou Mortar Ndiaye, ingénieur des télécommunications, est nommé membre du comité directeur du Fonds de développement du service universel en remplacement de Monsieur Mamadou Al-Hajili. Au titre du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Monsieur Aboubakri Sidi Sonko, ingénieur informaticien, expert en agritech, est nommé directeur général de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal Sodagri en remplacement de Monsieur Alpha Bokar Baldé. Monsieur Fafa Sow, titulaire d'un doctorat en sciences vétérinaires, est nommé directeur des industries animales au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de en remplacement de Madame Fatcher John. Au titre du ministère de la Formation professionnelle. Docteur Mamadou Kane, matricule de solde 625-481L, précédemment chef de division du budget et de la comptabilité au ministère de la Formation professionnelle, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement en remplacement d'Amadou Diallo, appelé à d'autres fonctions. Madame Mam Diara Diop, inspecteur de spécialité de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 514-396H, précédemment directeur du service national d'orientation professionnelle, est nommé directeur général de la formation professionnelle et technique en remplacement de Madame Maimouna Kanté, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Monsieur Elhadj Mamadou Ning, psychologue conseiller de 4e classe, premier échelon, matricule de solde numéro 714-148E, précédemment chef du bureau suivi-évaluation et nommé directeur de la planification et du suivi-évaluation en remplacement de Monsieur Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye, appelé à d'autres fonctions. Madame Aminata Ndoye, psychologue conseiller de 2e classe et 2e échelon, matricule de solde numéro 632-978E, précédemment chef du bureau du suivi au secrétariat général au ministère de la formation professionnelle et nommé directeur de l'insertion en remplacement de Monsieur Abdourahman Li, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur Abdou Djang, conservateur des parcs nationaux, matricule de solde numéro 613-282L, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique en remplacement de Madame Dey Sen. Lieutenant-colonel Hassan Doye, conservateur des parcs nationaux, matricule de solde numéro 510-886B, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Abdulaziz Diouf, professeur titulaire en droit privé, est nommé directeur général de l'enseignement supérieur en remplacement de Monsieur Amadou Abdoul Sow, admis à faire valoir une pension de retraite. Monsieur Amédou Dat, professeur titulaire de mathématiques, est nommé directeur général de la recherche et de l'innovation en remplacement de Monsieur Amadou Gallo Diop, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Pape Abdoulaye Diaw, maître de conférence titulaire, est nommé directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Richard Toll.